Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi ça va super. La hype est à 10 sur 10 pour ma part. Le perso que j'attends le plus va arriver. C'est officiel ou à 99,99% sur Dragon Ball Legend. Voici ce qui est apparu dans l'Apple Store des Philippines. Voilà, vous voyez à l'écran un Migaté et un Jiren. Donc c'est quasiment officiel, Migaté et Jiren vont arriver sur DB Legend. Alors là vraiment c'est un truc de ouf. Pour moi c'est un truc de ouf. Jiren déjà j'aime beaucoup le perso. Donc les artworks que vous voyez ici seront sans doute, il y a quand même aussi des grandes chances que ce soit les artworks in-game. Jiren assez stylé. Mais alors le Migaté. Oh là là. Quelle super classe. Franchement c'est... Alors... A priori comme ça, donc deux persos. Donc on sait pas si ça sera le LF, il n'y a pas de LF, on sait pas trop comment ça va faire. Moi je verrais bien quand même le Migaté en LF, mais par contre, sa pose là, avec son regard. Oh, il va être craqué. Il va être complètement craqué le perso. Franchement, ça va être une dinguerie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes hype. Moi c'était... Je pense que c'était même plus que Gogeta 4 et plus que Gogeta Blue. C'est pour moi, c'est le perso que j'attends depuis que le jeu existe. Depuis que le jeu existe, j'attends que Migaté arrive. Il va être méga classe avec les Laura et tout. Il va être, mais pff, une beauté. Ça va être absolument une beauté. Maintenant, on peut réfléchir un petit peu si ça serait, notamment pour le Jiren. Quel team pour le Jiren? Est-ce que plus Pride Trooper, univers rival, ou alors Saga Survie de l'univers? Moi, j'espère vraiment qu'il sera Saga de l'univers. Pourquoi? Parce que s'il est juste univers rival, on pourra pas jouer les deux ensemble. Alors oui, vous allez me dire, bon, c'est pas illogique, mais ça serait plutôt stylé de pouvoir jouer une team tournoi du pouvoir ensemble. Ça renforcerait plus la team. En fait, tournoi du pouvoir, c'est la team univers rival plus univers 7. Donc en fait, ça serait moins restrictif de lui mettre ça plutôt que de lui mettre univers rival. Après, si on lui met univers rival, il sera quand même jouable, notamment avec Vados et Champa. Donc sinon, voilà. Ça pourrait être également peut-être une KBZ Pride Troopers. Bon, le jeu avec Topo est dispo, mais ça serait hyper restrictif parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de persos. Après, il y aurait sans doute lui en forme transfo, peut-être aussi. Mais bon, pour l'instant, il serait basse forme, on sait pas. Ça se trouve, il peut être transfo le perso. Bon, je pense pas. Je pense pas qu'il... Je pense que ce sera deux persos non transfo ici. Je pense que le Migaté sera comme ça. Donc, ouais, je pense que ça peut être Saga Survie de l'univers. Donc, moi, j'espère qu'il sera bleu ou violet. Même si bon au bout d'un moment voilà, mais parce que en rouge on aurait Bergamo, à la limite rouge. À la limite rouge, s'il faut remplacer Bergamo, c'est pas ultra grave, même si Bergamo est pas dégueu je trouve. Mais faut pas qu'on puisse, faut qu'on puisse le jouer avec Vados et Champa, parce que ce sont les deux meilleurs perso de la team univers rival. Même si sur le principe, Vados et Champa sont des persos univers rivaux, mais ne boostent pas la team Saga Survie de l'univers. Donc il pourrait très bien être vert Saga de l'univers sur le principe. Mais j'espère qu'il ne sera pas vert et jaune pour aller avec Vados, je ne sais pas. À la limite bleu ou violet pour remplacer Basile et Bergamo et Lavenda, ça pourrait être ultra stylé. Donc voilà, pour ce qui en est de Jiren, la méga classe, le crâne chauve. Moi il me hype. Moi je vous dis, avec la classe comme ça, moi il me hype. Il me hype avec le petit Owalida, avec l'ulti ou l'aspect, ça pourrait être complètement craqué. Donc super content de voir Jiren. Pour ce qui en est du Migaté, alors je vous dis LF ou pas LF. Pour moi, pour ma hype, pour la classe, pour la passion, j'espère que Migaté sera LF les frérots. Voilà, j'espère que ça sera un LF. Par contre si c'est un LF, ça serait lequel? Ça serait le Kamehameha pardon, sur Kefla. Et si c'est le Kamehameha sur Kefla, comment marcherait cette attaque? Ça serait assez bizarre. Soit ça serait un ulti basique où on voit juste l'adversaire lancer une salle de Kikoa et ça se fait tout seul. Ou alors une spé contre à la Namek. Enfin moi depuis que je parlais de Migaté en LF, je pensais toujours que ça allait fonctionner comme ça. Après ça veut dire que ça va pas être super simple non plus à faire à utiliser. Après ça dépend. Si ça marche sur les tapes au tir. Si ça marche sur les tapes au tir, ça peut être craqué. Si ça marche que sur les Kikoa, ça va être un petit peu compliqué à lancer. Donc voilà, ou alors ça va être un ulti complètement basique, voilà. Au niveau de la carte verte, je vois bien une carte verte qui fasse un petit peu... qui fasse esquiver en fait. Une carte verte qui fasse esquiver un petit peu la Goku TP, qui faisait esquiver, et qui rende la jauge de TP.
Je vois bien ça. Je vois bien ça, mais il va être trop beau. Il va être trop beau, mais il va être méga. Il va être beaucoup trop beau le perso. Franchement, ça va être une dinguerie. Quel team pour le Goku? Alors là. Là, réellement, il pourrait être joué en. En Saiyan, peut-être. Mais je suis pas sûr que ça met une team. Saiyan ou Famille Royale. Il peut être Saga Survie de l'univers. Moi, j'aimerais bien. En vrai, ça serait original et j'aimerais bien. Et divin. Il peut être divin. Donc, s'il serait divin, j'espère que ce sera un divin Kikoa. Pour pouvoir jouer avec Champa Vados et notre ami Goku Blue Zenkai qui est sorti. Et dans ce cas-là. Il pourrait être rouge. Lui pourrait être rouge. Parce que dans la team divin Kikoa, on n'a pas de rouge à part Whis. Mais bon, Whis c'est un extrême. Donc, on parle d'un Sparking. Si c'est en plus un LF, il a largement la place d'être rouge. En divin Kikoa. Rouge en Saiyan. C'est pas dégueu rouge en Saiyan hein, parce qu'on a le Goku divin, le Goku Kakarot. J'ai pas de. Si on a le Goku Saiyan Zenkai, mais. Ouais, il peut être remplaçable. Donc, ouais, c'est pas débile rouge non plus. Si, voilà, c'est pas sa main team. Et en univers rival, bah rouge Bergamo. Ouais, bah rouge Bergamo là. Ouais, je pense. Donc, ça peut être les couleurs. Après, on verra plus tard. Après, attention quand même de ne pas se jeter dans la gueule du loup. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un deuxième step-up non plus. On n'est pas à l'abri que soit deux persos non LF et qu'il y ait un LF autre que ces deux persos. Donc restons sur nos gardes et gardons toujours que ces deux personnages vont arriver sur des légendes, ça c'est sûr et certain. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes hype les frérots, dites-moi si vous kiffez. Donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner. Moi c'est 10 sur 10, j'ai trop hâte de ce reveal and stuff. Migate va être le perso le plus stylé du jeu j'espère. Donc voilà, c'est la absolue dinguerie. Donc merci à tous les frérots. Et encore une fois, gardez, ce n'est pas parce que ces deux personnages sont là qu'on n'aura pas de GT, qu'on n'aura pas autre chose. Moi j'ai toujours dit que je voyais bien le double step up arriver. Donc voilà, merci à tous les frérots, je vous souhaite une très bonne journée à tous. La méga, la hype, je peux pas avoir plus sur le jeu.